ça, on le mettra devant, à l'abri. La préparation de cet événement a été un sacré combat, une vraie expédition. Et m'a nécessité 3 ans de préparation. Aussi, j'espère que cette fête du vélo sera réussie. Alors, les conditions météo ne sont pas avec nous. Mais ça, j'ai beau avoir préparé depuis 3 ans, ça, je ne pouvais pas faire mieux. Et que vous allez en profiter au maximum. C'était salade verte avec des tourtons du Champsaur, spécialité du pays. Fameux gratin de ravioles, c'est vraiment une spécialité locale. Ce qui est appréciable, c'est aussi l'esprit de groupe, de voilà, le compagnonnage. Voilà. Je pense que les personnes qui pratiquent et qui sont présents ici sont des montagnards avant même d'être des cyclistes, puisque le vélo de montagne nécessite avant tout de connaître le milieu dans lequel on évolue. Donc c'est une activité de montagne à part entière et c'est une activité qui est très largement pratiquée dans la fédération. Il y a pratiquement 18 000 pratiquants dans la fédération, hein, qui compte 100 000 licenciés, donc c'est une activité quand même importante. Hein. Fait du ski de rando l'hiver et l'été on retrouve un peu la même ambiance et puis c'est aussi l'occasion de découvrir la moyenne montagne qu'on n'a pas trop l'occasion de découvrir autrement en randonnée et voilà, puis en plus moi j'ai des problèmes de genoux donc les grandes descentes à pied dans la caillasse c'est plus pour moi, donc là je descends dans la caillasse mais à vélo. On va vous faire sortir, on va le faire dans la cour devant. Vous vous sentez bien? Bon, samedi, on a fait des activités culturelles, génépi, brasserie, et puis... Si on goûte l'apéro, on commence par ça. Hein. Si vous goûtez le génépi, après l'apéritif, il paraît fade. Tout le monde goûte l'apéro, c'est bon, j'ai pas eu de refus. Liqueur, 40 degrés. 100 grammes de sucre dans les... Sac. Bon, je vais faire ça, c'est bien, mais je vais ça. Mettre départ 7h30. Ouais. Bon, alors c'est dû la passer. Ouais. Sur la carte, si vous voulez. On avait regardé. Ça s'appelle le collet, et c'est là. Ah d'accord, c'est là. C'est là. Je te l'envoie. Ouais. Ok, vas-y. Pour nous, c'est plus que 3 jours parce que comme on vient de Pau, des Pyrénées, ça fait un peu loin, donc on a décidé d'allonger un peu la sauce. Tip top, physique, ça monte. Les descentes sont très roulantes. We'll be right back.
intégrale que j'avais dû interrompre. Ah bah c'est bon, d'abord j'aime bien la montagne, et puis bon c'est des sensations, c'est toujours dynamique, je veux dire on s'ennuie jamais. Je veux dire que grâce à Patrick Rolland, je vais revenir ici avec des collègues, puisque chaque année on fait une petite rando itinérante, et il y a un potentiel ici qui est incroyable. Moi je découvre cette vallée, et ben, monsieur le maire de Saint-Léger-les-Mélèzes, vous avez bien fait de lui faire confiance. C'est peut-être pas meilleur. Hein, mais... Alors qu'est-ce que c'est ce soir? Ce soir, alors c'est un gratin d'oreille d'âne, c'est une spécialité du Champs-sur-Valbois de Mar. Dans les nuages là-haut, là. Donc bien technique, un peu plus dur pour finir la session. On a eu froid au sommet. Heureusement, j'avais emmené la seconde peau. Donc ça m'a bien aidé pour la première partie de la descente. C'est vrai que dans nos chambres sort brouillard, ça, vous avez marqué quand on est au Douai. Hein. La Gap, il se fout de notre gueule tout le temps. Il y a Gap et le brouillard du chambres sort. C'est faux. Par contre, quand on est au-dessus, c'est magnifique. Je montais au-dessus du brouillard, je préparais la compète. Le type est venu du Val-Godemar sur des skis comme des allumettes. Comme il me laissait faire la trace, je lui dis pour qu'il prenne la tête. T'as le même collant que Pierre Gignoux, tu as pris où? Moi je ressemble à un Marseillais, avec ça je fais un vrai de vrai. Viens faire un tour sur l'autre versant, à grave coup de bâton dans les dents, et je te choivre et ton blouson. S'il y a une morale qui s'ignore, c'est que si t'as tes jambes de 20 ans, faut pas trop traîner dans Champs-Sort, à moins d'être comme Patrick Rolland. Quand à la fin d'une saison, tu te retrouves à poil sans tes potes. C'est quoi la fin de la chanson de Renaud? Quand à la fin d'une saison, tu te retrouves à poil sans tes potes, faut avoir des cuisses en béton pour éviter des chutes idiotes.